C'est bon, vous avez pris une grande respiration, Sandy. J'ai ce sujet vous a bien permis de méditer. Allez, on parle télé avec vous. Et plus particulièrement en série télé, il y a une nouvelle série israélienne qui cartonne à l'étranger. C'est presque une success story systématique, les séries israéliennes. Elle s'appelle False Flag. False Flag. False Flag. Bon, c'est Fails, hein, les gars. C'est Fails, déjà. Et moi, personnellement, je la regarde en VO. False. C'est false. False, et voilà. Ça vous apprendra à vouloir corriger mon accent en anglais. Moi, je la regarde en VO, personnellement. Bah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. 5 citoyens, 5 accusés, 5 énigmes. Après l'enlèvement d'un politicien iranien, ils se retrouvent sous les feux de l'actualité. Tu es du Mossad? Bien sûr que non. Tous ont quelque chose à cacher. Je vais aller voir la police. Non. Quels sont leurs liens? Les flics t'attendent à l'aéroport. Ils veulent t'arrêter, débrouille-toi pour que ça n'arrive pas. Un problème ou quoi? Alors l'intrigue de la série s'est inspirée de faits réels, de l'assassinat du terroriste Mahmoud Al-Mabrouk à Dubaï en 2010, mais tout le reste est fictionnel. Produite et créée par Maria Feldman, False Flag, je l'ai bien dit, est diffusée sur Canal+ depuis le début du mois et ça marche plutôt pas mal. Un succès auquel ne s'attendait évidemment pas la créatrice de la série que nous avons reçue dans notre émission Culture du vendredi soir. On l'écoute. Nous étions très surpris quand nous avons appris que la série était sélectionnée dans la catégorie série de la Berlinale. Puis la série a gagné le premier prix du festival Sériemania à Paris. Et là, nous avons réalisé que le public international, et plus particulièrement le public français, aimait beaucoup cette série. Parce que c'est le prix du public que nous avons reçu au Sériemania. Donc nous sommes ravis. Alors vous l'avez dit, False Flag s'ajoute au grand nombre de séries israéliennes qui cartonnent à l'étranger. Depuis quelques années, elles se vendent comme des petits pains. Tout a commencé en 2005 avec Betty Pool, une série psy de Chagai Levy, rapidement adaptée aux États-Unis et renommée In Treatment. Puis c'est le tour de Khatoufim en 2010, la série qui a inspiré le célèbre Homeland. La version israélienne sera elle-même diffusée dans différents pays d'Europe comme la France ou le Royaume-Uni. En 2014, on se rappelle de The Affair, une autre série de Chagai Levy qui mêle suspense et adultère. Elle rencontre aussi le succès. Ses personnages principaux sont d'ailleurs interprétés par des acteurs connus comme Dominic West, Joshua Jackson, Maura Tierney et Ruth Wilson. Elle remporte par ailleurs le Golden Globes de la meilleure série dramatique en 2015. Et on note que l'un des acteurs principaux de Khatoufim joue dans la nouvelle série qui est diffusée actuellement sur Canal+. On retrouve la même brillante équipe. Mais comment on explique ce succès israélien des séries à l'étranger? Alors il y a évidemment plusieurs raisons, à commencer par la qualité d'écriture de ces séries. En Israël, il n'y a très peu de moyens pour les effets spéciaux. Ils font donc une très grande créativité pour compenser. Autre point fort des auteurs israéliens, ils ont le sens de la formule, du concept fort. On écoute ce que Maria Feldman en pense. Je ne pense pas que c'est juste une mode passagère. Je pense qu'il est peut-être plus facile aujourd'hui de vendre une série israélienne parce que tout le monde pense que les séries israéliennes sont très réussies. Mais le public se fiche de tout ça. Pour le public, ce qui est important, c'est une bonne intrigue, des personnages intéressants. Et s'ils aiment, tant mieux. Mais je ne pense pas que le public se dit « Oh, c'est une série israélienne, donc je dois la regarder ». Non, non, je ne pense pas. Alors on ne peut pas finir cette chronique sans aborder une autre série produite par Maria Feldman. Il s'agit de Fauda, tournée en pleine opération bordure protectrice en 2014. La série porte sur la traque d'un responsable du Hamas par des agents israéliens infiltrés. Fauda cartonne en Israël depuis 2015. On en entend déjà beaucoup parler en dehors du pays et je pense que ça va aussi faire un carton à l'étranger. Merci beaucoup Sandy de ces explications sur les séries israéliennes.